Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Mutant Year Zero Road to Eden. Lors du dernier épisode, on est allé récupérer une clé chez les non-éclairés ici et à ramener à la personne qui gère le château de lumière. Donc on va lui ramener la clé et voir un peu ce que ça va donner. Je suis un petit peu curieux, j'avoue, d'aller voir un peu ce qui va se passer là-dessus. Allez, c'est parti, direction le château de lumière du coup. Donc c'est un petit détour par rapport à la quête principale, mais voilà, j'avais envie de voir un peu ce qui allait se passer. Alors, ok, on va du coup aller voir la personne là qui nous a donné une clé la dernière fois, qui nous a demandé d'aller chercher une clé la dernière fois. Back to me, my intrepid warriors, so we may once again shine light from this blessed cathedral of hope. Bring the key back. Bring the key back. Ouais, c'est bon, je ramène. Lux's key. Should we give it to him or give it to Prep back home? A promise is a promise, and we promise Lux. A stalker's word is her bond. How about we just take the key and unlock his sacred sanctum ourselves? Go in, take a little peek. Ah, c'est ouvert là. C'était pas ouvert la dernière fois ici. Ok, alors. Ok, il nous attaque pas. D'accord. Oh, c'est bizarre ce truc. Ah, the stalker's returned. And you've returned the key to my sanctum. My machines will once again hum with energy, and the lights will shine so bright, they will be seen by the ancients in space. Thank you, stalkers. Thank you. C'est tout? Ah bon, d'accord. Now, let's get this opened. Alors, armure de Lux, 3 d'armure, 3 PV, le porteur est immunisé contre les dégâts électriques, cool ça, on va prendre ça évidemment, merci, on va le donner à quelqu'un. Elle fait combien ton armure toi déjà? 2, 4, ou mieux une 3-3 en fait hein. Hop, voilà, on va être mieux comme ça. Ok, c'est tout du coup. Alors, on va fouiller vite fait la zone. Je suis un petit peu déçu en fait, je pensais qu'il allait se passer quelque chose. Sinon, j'aurais terminé ça lors du dernier épisode. Ah non, ça fait que... Ok, j'ai cru que oui. Ah mince, je peux pas y accéder du coup. J'ai donné la clé de Lux. Bon.
J'avoue être un tout petit peu surpris par ce qui se passe. Je pensais vraiment qu'on aurait des choses en plus à faire. Je peux pas lui parler ou faire quelque chose? Bon. Bah écoutez, tant pis, on va avancer du coup. Peut-être qu'on viendra par là plus tard. Ok, bon bah écoutez, tant pis. Allez, du coup on va avancer vers... vers le champ de métal et on va avancer du coup vers Amand. Peut-être que ce sera quand on ira sur la partie là avec le niveau 50. On verra peut-être ça plus tard. Allez, dans le champ de métal, on va rejoindre du coup la nouvelle zone. Non, faut que je sorte de là, c'est vrai. La sortie, elle est là. Et on va pouvoir passer sur la zone suivante. Allez, on a encore deux zones avant de rejoindre Amand 3. Il y a plusieurs petites zones à aller voir, du coup. On va continuer d'avancer. On va déjà vider celle-là aujourd'hui. Far south, there are stories and legends of dead towns, with terrible secrets buried beneath them inside metal tombs. But no one knows, because no one, not even the Stalkers, have gone this far before. Regarde un petit peu s'il n'y a rien à prendre par là. Ok, rien non plus par ici. Alors là, il y a une sortie a priori. Passage qu'on prendra pas tout de suite. Ok, ils sont trois là, donc pour l'instant je vais pas trop m'attaquer à eux. So I ate a mushroom. So what? Green Boy's not gonna find me. My skull's too thick. I told you to split it with me.
Tell me what happened. Did you see the ancients? Hell no. I saw some purple, and the purple laughed at me. So I started laughing. Then I took a piss. That felt real good. So what's the big deal? Sacred mushrooms. Psh. Stupid Nova sect. Phonies. I want to party, man. I don't want to work for the Nova sect. Why are we doing this? Watch what you say. The agents are watching us, you prank. So shut up and get back to work. J'allais voir s'il n'y en a pas qui sont isolés, hein, d'abord. Ah, lui, il va s'isoler tout seul, très bien, donc ça veut dire qu'on aura les deux. En plus, en 14. Hop, un mois. Nighty night. You finally figured out how to use that thing? Hey, over here. Ok, ça veut dire que je vais pouvoir me faire celui qui est en haut. Si j'arrive à. Got some ghouls up ahead guarding the gate. Let's do this. Ça va être plus compliqué ça en fait. Ok, on verra plus tard pour lui. Je vais essayer de voir s'il n'y en a pas d'autres qui sont isolés. For these mushrooms. Dead bodies. Ok, je sais pas trop ce que c'est que ces champignons pour l'instant. Trois ici aussi. Il y a un robot par là qui tourne, on l'entend. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y en a aucun groupe qui est vraiment isolé, quoi, en fait. Peut-être qu'ici je peux m'en faire un peu. On va essayer d'aller voir. Ok, là c'est la sortie. Quatre de vie sur ce robot infirmier. Mais comme il est tout seul, on va y aller maintenant. Hurt.
recharge. Ok pour eux. Hey, follow me. It frustrates me that the once compliant subjects have now become very intemperate and aggressive. Within the group, a sub-faction has developed, with Plutonia as the leader. Our hardships in the zone have convinced Plutonia that the world needs to be reset. These radical notions worry me. We are very close to the facility. Once we are safe, I'm confident that Plutonia and the others will become more manageable. Ok. Ça a l'air de se déplacer à deux là. S'ils pouvaient se séparer quelques instants. Il y en a un là qui est tout seul. Le chaman. Pas de butin, mais un en moins. Hey, over here. On va continuer de tourner pour essayer de voir un peu lesquels on peut se faire. Discrètement, j'entends. De pouvoir se faire lui aussi. Le mec il est tombé. Voilà.
serves you right. Now that was a good kill. J'ai complètement oublié que par contre les pyros ça fait des choses comme ça. Come on. Allez, on continue d'avancer. Le problème c'est que les groupes qui restent, j'ai pas l'impression qu'ils veuillent... Hop là, il y en a un... Ah si, il y en a un tout seul. Impeccable. Juste pas prendre de risque et me planquer un peu si jamais ça les alerte là quand il va. Je vais pas prendre le risque. Toi, faut que tu bouges. Mince, j'ai fait du bruit. Good night, rotheads. Ah zut, j'ai fait une erreur. Ouais, là ils vont attirer du monde, ok. Ah, c'est vrai que je vais enlever ces trucs pour pas qu'ils se fassent assommer. Et que c'est elle qui l'a maintenant. On va avoir beaucoup de monde là par contre.
infligera des dégâts critiques, mais il y a eu des chances de toucher. Raté, mince. Il m'a raté. Ce serait bien qu'il se réveille, Bordin, là. Ouah, il l'a re-assommé. Ok, on a terminé le tank déjà. Back off. Nice. Be gone from here, demons. Ah ça, il va m'attaquer. Enfin, je le réanime, lui. Gotcha. Yeah, wow. Let me patch you up. Better. Si je pouvais l'endormir lui déjà. Ok. Essayer de se faire le frère assez vite, hein. Does that hurt? Ok. Bon, une fois qu'on va s'être fait le frère, déjà ça ira beaucoup mieux.
J'ai entendu prendre quelques dégâts avec les chasseurs, mais en soi c'est pas dramatique. En plus il me rate. Hop. On va continuer de le poursuivre par là, l'autre. Raté, mince. Ouais, hop, voilà pour lui. Allez, hop. Et on va le terminer. Bye. Call me. Sweet takedown. Ok. Bien, on les a tous fait. Hydra, de nouveaux objets à vendre dans la boutique de l'Arche. On va aller voir ça. Toi, tu peux prendre quelque chose. 50% de chance de coup critique en tirant depuis une position surélevée. Je tire pas beaucoup depuis une position surélevée. Plutôt la licence de lancer si à un moment je décide de lancer une grenade, chose que je fais rarement, j'avoue. Come on. Alors, du coup, il va y avoir plein de butins à récupérer, je suppose.
Interesting. Un coffre. Une armure 3-6. Le porteur est immunisé contre les attaques de type charge. Elle est vachement bien cette armure. Du coup, on va la redonner ici. Comme c'est toi qui es en première ligne. Ok, cool. Ah mince, mais il en reste, pardon. Ils sont pas venus avec les autres, eux. D'accord. Bon, ça va aller assez vite. On va se faire le tank pour commencer. Ah, il est peut-être... Non, il est immunisé, donc pas le tank. On va aller immobiliser le chasseur. I don't need an assist. Hop, on va le garder en place. Un coup critique, ok. Normal. Okay. Feel that? Oh man, you are the shit. Et voilà. Serves you right. You did good. I wonder why these ghouls are hoarding all this food. Oh, un viseur CR 33, 15% de chance de coup critique, 30% à la portée de l'arme. Très bien ça. They're getting too lazy to scavenge. Let them fill up their bellies. They get fat. They get slow. When ghouls are hungry, that's when they're dangerous. This is more food than any ghoul pack could eat. Maybe they're preparing for something. An upcoming disaster. Ok. Bon, on a fini de vider cette zone. On va pouvoir retourner à l'arche. Les terres de la secte, c'est bon. Et aller voir les nouvelles pièces à vendre et équiper sans doute mon nouveau viseur. Your search for Hammond
opens your eyes to an undiscovered country, huh? Wondering if paradise lies beyond the zone. Enclaves filled with happy people. The enclaves are empty. The best and brightest all destroyed themselves. They were only human. What else could they do? The restlessness and rage of the outside world slowly seeped into their hermetically sealed utopias. And soon they were all at war. They all killed each other. For what? Why would they do such a thing? I don't know. Maybe they were bored. There is no paradise beyond the zone. Don't go looking for it. Your home is here. Okay. Farewell. Remember your elder's guidance. Alors, a priori, Iridia, elle a de nouvelles choses à nous vendre. Welcome back to Iridia's. Alors déjà, on va reprendre une trousse. Ouais, elle a quand même pas grand chose, hein. Safe travels. You want something? Talk to me. De la portée de l'arme. Ok, donc t'as déjà un verre, toi. Voilà, ça va être mieux. Ok. Later, stalkers. Bien, bah écoutez, j'espère en tout cas que cet épisode sur Mutant Year Zero Road to Eden vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de l'aventure. On continue notre route vers Amon. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.